Les élèves s'amusent notre école lors des récréations. Imaginez une solution à ce problème. Et si nous mettions des policiers des déchets dans la cour, qu'en font les policiers? Allons à la gendarmerie pour en savoir plus et nous pourrons mettre notre projet en œuvre. J'ai trouvé. On dresse des contraventions. Les contraventions, c'est les amendes qu'on fait payer aux personnes. Mettre un panneau. Pour réaliser cette solution, j'ai décidé, nous créons une brigade de police de déchets qui veillera à la propreté de la cour. On fera un débat avec une classe pour leur faire prendre conscience de leur acte. Pourquoi cette question? Parce que c'est pas ta cour. Si je fais ça à la maison, ma mère va me gronder. On jette pas les déchets à la maison parce que c'est nous qui devons les nettoyer. Il n'y a pas de 120 de poubelles dans la cour de récréation. Partage notre expérience. Je dois empêcher les élèves de jeter les déchets dans la cour de récréation. Parce que les dames des ménages vont ramasser. Ne feriez vous chez vous ramasser. Ici les déchets. Moi je m'en fous, moi je jette où je veux. Ramasser, ramasser. Et puis c'est le travail de Madame Lorette. Ramasser, ramasser. Police, police des déchets. On n'a pas le temps, on est pressé. Allez ramasser tout de suite. Oui, oui. Oui, et ne recommencez plus, hein. Elle est où la poubelle? Voici la poubelle. Et c'est mon sac. Mettez les ordures à l'intérieur. Et mon sac va sentir maintenant. Allons vite à la poubelle.